Bonjour frères et sœurs, bienvenue sur Sorbonne. Nous sommes de retour pour de nouveaux témoignages. Comme je vous l'ai dit hier dans l'une de nos vidéos, on ne couche pas avec tout le monde. Voici une fille, à cause des situations de la vie, va se retrouver dans les problèmes, va se mettre à faire la prostitution. Mais un jour, elle va rentrer en contact avec quelqu'un qu'il ne faut pas, un ritualiste. Et après qu'elle ait couché avec cet homme, cet homme lui a dit quelque chose sur sa mort. Waouh! Et suite après cela, quelque chose s'est passé. Écoutons cette histoire très attentivement. C'est une fille qui n'a pas reçu une bonne éducation. Si je parle de ne pas reçu une bonne éducation, ça veut dire qu'ils ont perdu leur papa quand ils étaient encore très jeunes. Vous imaginez déjà quand vous perdez un père et qu'on vous laisse entre les mains du frère de vos papas qui n'était pas bien et tout. Donc du coup, cette fille a connu la rue très jeune. C'est une fille que j'appréciais beaucoup, que j'aimais beaucoup, malgré que mes parents s'opposaient de notre relation. Ils avaient peur que sa vie puisse influencer mon éducation. Du coup, on a dû être un peu distante avec cette fille. Mais une fois, elle m'a raconté, elle était dans ses vapes. Bon, les vapes, c'est trop dur. C'est une fille qui faisait, comme on le dit toujours ici à Brazzaville, au Congo plutôt, parce que j'aime le Brazza, que la prostitution. Donc du coup la fille elle était là, elle sortait le soir pour chercher des mecs et pour le plaisir et la chance de l'argent. Elle est partie une fois, ils étaient en boîte comme d'hab, il y avait à boire, le mouvement, les cartes bien qui rentraient. Et une fois il y a un monsieur qui le prend, c'était un Ouest-Africain. Excusez-moi, je n'accuse pas tous ces gens. Je sais juste que il y a des gens bien. Un Ouest-Africain qui l'appelle, il dit, écoute, moi j'ai besoin de toi. Qu'est-ce qu'il t'en dit? Elle, comme elle est là pour vendre le piment, comme on lui dit au Cameroun. Et ils sont partis, arrivés à l'hôtel, le monsieur lui dit, ils se sont entendus pour le montant, c'est un détail que j'ai oublié. Arrivé à l'hôtel, le monsieur lui fait comprendre, écoute, moi j'ai beaucoup à faire, on fait vite et puis je pars. Après l'acte, ma copine se sentait maintenant mal. C'est comme s'il y avait quelque chose qui quittait de ses pieds jusqu'à venir entre ses jambes. Elle ne comprenait pas. Et c'est là que le monsieur, dès qu'il a fini de faire. Il a fini de passer des rapports avec la fille. Il a pris l'argent, il l'a jeté sur le corps de la fille. Il dit, vous, les Congolaises, là, vous allez mourir comme ça, là. Idiote que vous tuez. Donc, il n'a pas compris. Il dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Il dit, quitte là. Tu vas voir. Aujourd'hui, là, tu vas mourir. Le monsieur n'avait pas honte de le dire, quoi. Il est rentré dans la douche, il s'est baigné. Tout le moment où le monsieur était dans la douche, ma fille n'arrivait pas à bouger. La fille était carrément tétanisée sur le lit. C'est comme s'il y avait de la paralysie dans tout le corps. Mais elle sentait un truc, tu vois, comme la verre de terre en train de marcher sur ton corps. Tu sens qu'il y a quelque chose qui est en train de venir petit à petit. Elle n'arrivait pas vraiment. Au fond d'elle, elle a dit, et elle dit, Seigneur, je suis orpheline. Oui, j'ai une mauvaise vie, je fais une vie de merde qui ne te plaît pas, je t'en prie, aide-moi. Le gars, il a fini de se baigner, il s'est habillé, il est parti. Il a laissé la fille dans la chambre. Quand la fille fait cette prière, elle a dit qu'elle n'a pas compris. Il y avait une force qui est arrivée auprès de ses mains. Il fallait qu'elle récupère son sac. Elle appelle sa copine et dit, écoute, venez dans tel endroit. Je suis dans la chambre tant, venez me trouver, je suis en train de mourir. Ses copines sont arrivées en moins de 30 minutes parce que l'hôtel n'était pas loin de la boîte de nuit où ses copines étaient. Elles ont pris, elle a dit non, mais je ne veux pas que vous me ramenez ni à l'hôpital ni à la maison. Je sais que je veux mourir, mais je veux que vous me ramenez Merci à beaucoup pour l'église. l'histoire. Prenez cet Maintenant, on argent, passe à ne la les deuxième dépensez pas. histoire. Si vous avez quelque chose, payez le taxi. Je veux que vous m'emmeniez à l'église. Je vais préciser que la boîte de nuit se trouvait, comme on le dit chez nous ici au Congo, il y a un quartier qu'on appelle Mongali. Et l'église aussi, là où priait ma copine, bon, pas priait, sa maman, là où priait sa maman, c'était juste à Mongali.
Donc la fille les a orientés. Il était obligé d'aller appeler les gars qui étaient à l'extérieur. Ils ont sudoyé quelque chose. Non, mais écoutez, tenez ça, je veux que ça soit un peu discrète, qu'on soit un peu discrète. Je veux pas que les gens sachent qu'il y a une fille qui se sente mal ici. DMG, ils ont pris ma copine, ils ont soulevé ma copine jusqu'à aller dans le taxi, elle est arrivée à l'église. Heureusement, le pasteur était en permanence. Ils avaient aussi prière. Donc, ils sont arrivés là-bas à 2 h du matin. Arrivés, ils ont pris la fille. La fille dit, laissez-moi là, je veux mourir à l'église. Ils ont rangé la fille. Le pasteur a vu l'église était. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose qui était sérieux. Ils sont approchés de la fille. Ils ont demandé l'explication. Ses amis n'ont pas pu donner une explication parce qu'ils n'étaient pas là sur place. Mais la fille parlait quand même. Elle dit, elle explique l'acte qui s'est passé avec le monsieur. Le pasteur lui dit, non, tu ne vas pas mourir parce que Dieu t'aime bien. Ils ont prié, prié, prié de 2 h à 5 h du matin. C'est là que ma copine a dû retrouver ses sens. Et elle prend cet argent que le monsieur lui avait donné et elle met ça comme offrande. Elle dit, Seigneur, je ne veux plus repentir, mais je te donne ça comme offrande parce que toute prière doit être scellée. Et du coup, elle est rentrée chez elle, elle commençait maintenant à prier. Tu sais, la morale de l'histoire, c'est quoi? C'est la vie n'est pas simple. La vie a ses principes. Aujourd'hui, nous prions Dieu, oui. Dieu a établi ses commandements. Et nous également, la vie également que nous vivons a ses principes. Donc, si nous respectons les principes de la vie, rien de mal ne peut nous arriver. Tu peux beau bien prier, mais quand tu ne respectes pas les principes de la vie, tu fais des choses à travers. Ça va pas t'aider. Tu vas te retrouver dans un pétrin laquelle tu diras que Dieu ne t'aime pas. Au contraire, Dieu ne peut que te laisser à l'épreuve. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de ces choses qui nous arrivent, que Dieu nous épargne, que nous ne pouvons pas voir. Donc du coup, la prostitution n'est pas comment on appelle ça, une solution, soit parce qu'on est abandonné, on est abandonné par les parents, qu'on est obligé d'aller se vendre le corps pour de l'argent. Non, parce que beaucoup, je dis bien beaucoup de filles qui sont dehors, qui connaissent beaucoup de réalités et que eux peuvent nous édifier. Donc du coup, je ne peux jamais permettre ou penser à une personne de se donner à la prostitution. Merci encore. Merci à vous. C'est hors du commun, vous avez entendu cela. Est-ce que vous avez entendu ça? Décidément, on ne couche pas avec tout le monde. Vous voyez ça? Cet homme avec qui elle a couché là, ce n'était pas un homme simple. C'est une personne qui, spirituellement parlant, lui, sans doute, cette personne-là, elle devait coucher avec des filles. Et pendant qu'elle couche avec des filles-là, c'est le rituel qui a lieu. Et peut-être que ce rituel-là dit que quand le monsieur va coucher avec la fille, automatiquement, il va lui prendre sa vie pour devenir peut-être riche ou bien puissant. Il y a des choses comme ça qui ont lieu dehors, mais les gens ne le savent pas. Vraiment, méfiez-vous. Et ces genres de choses, ce genre de pratiques ont lieu partout dans le monde. Même cette histoire de porte-à-porte qu'on a entendu parler à Dubaï, vous voyez un peu, non? Que ça vous réveille un peu. Que Dieu vraiment nous délivre de ces genres de situations qui nous amènent à faire les choses qu'on ne veut pas. Que Dieu nous pardonne. Ok, nous allons écouter encore le témoignage, c'est parti. Il était un temps, je marchais dans le village, dans les couloirs, dans le quartier, il y en a des couloirs. Il y avait un monsieur qui était devant moi. Il était en train de fumer une cigarette. Alors, tout d'un coup, c'était un couloir, je ne pouvais pas passer, je ne pouvais pas le bousculer. Je ne pouvais pas dire brutalement, monsieur, je veux passer tout ça. Il fumait de la cigarette et ça m'intoxiquait, ça me rendait mal à l'aise. Alors, au bout du couloir, dès que j'ai vu qu'il y avait un petit espace, je lui ai devancé pour passer. Une fois que je passe devant le chemin, il y avait, comment dirais-je, les petites calebasses qu'ils ont cassées. Et ils ont cassé, ils avaient mis une montre, il y avait une montre, des aiguilles avec les pièces de 25-25 francs. Alors,
Une fois que j'ai eu à devancer le monsieur, et puis je ramasse la montre. Je ramasse la montre. Je voulais mettre dans mettre sur le poignet. Et puis le monsieur me stoppe, m'arrête là même. Le monsieur m'arrête là même. Il me dit dépose. Et puis je commence, vous savez, les enfants, je commence à me débattre avec lui pour faire en sorte que ma main se relâche de son emprise. Et puis il y avait une grand-mère, pardon, désolé, il y avait une grand-mère qui nous a vus de loin. Elle observait la scène. Et puis elle a dit au monsieur, vous savez, il y en a des messieurs qui font du mal aux enfants. Et puis elle interpella le monsieur, s'il vous plaît, laissez l'enfant, qu'est-ce qu'il y a? Et puis il a commencé à dire ce qui s'est passé. Voilà, cet enfant a ramassé ceci. Voilà. Elle a dit que, mais vous avez bien fait. Vous venez de sauver la vie de cet enfant. Parce que moi, j'étais prête à mettre la montre. J'étais prête à mettre cette montre parce que ça m'avait. J'aimais les montres. Elle a dit, elle était prête à venir brûler ça. Parce qu'elle cherchait des combustibles pour venir brûler ça. Et subitement, voilà ce qui s'est passé. Donc, ce monsieur, elle a dit que ce monsieur m'avait sauvé la vie. Parce que elle avait expliqué. Donc, si j'avais eu à mettre cette montre de mon poignet directement, il y avait une maladie incurable chez une autre personne qu'ils ont eu à travailler pour canaliser ça dans les pièces, dans les aiguilles et la montre. Donc, si c'est que l'aiguille ne te pique pas, si c'est que l'aiguille ne te pique pas les pieds, comme ça, vous savez, les enfants qui marchent pieds nus, sûrement tu vas ramasser l'argent. Si tu ramasses les 25 francs et que tu achètes quelque chose avec directement, la maladie de la personne se transmet chez toi. Et une fois que la maladie, elle a expliqué, une fois que la maladie se transmet chez toi, il n'y aura aucun moyen d'enlever cette maladie parce que c'est comme ça que ça se fait. Une fois qu'on transmet chez une autre personne, ça reste avec la personne jusqu'au dernier jour de ce dernier. Donc c'est ce qu'elle a expliqué. Elle a dit soit l'argent, soit l'aiguille ou la montre. Donc c'est un peu ça mon histoire. Wow, vous avez vu cela? Vous voyez comment il y a beaucoup de pièges dans ce monde? Vous voyez comment les gens sont prêts à sacrifier la vie des autres pour devenir riches ou quelque chose du genre? Soyez vigilants. Bien, nous allons écouter encore le témoignage d'une histoire hors du commun. Elle nous dit que c'est l'histoire de son propre père. C'est l'histoire de mon propre père. Mon père nous a raconté l'histoire quand il était jeune. Quand il était jeune, il a fait raconter des choses à une jeune fille. Mon père disait que le jour-là, on a fait chose, un bal chez eux. Et puis, ils sont allés, mon père a rencontré une fille très belle. Mon père disait la fille là, elle est très 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 belle. Mon père a approché d'elle. Mon père l'a draguée, draguée. Et puis, la fille a accepté les jours-là. La fille a accepté les jours-là même. La fille l'a suivie jusqu'à la maison. Mon père disait, arrivé à la maison, vous savez, les anciennes lampes, on met les kérosène ou bien on dit pétrolier, on met un peu en aligne. Mon père disait, à l'époque là, c'était ça. Arrivé à la maison, il a déjà allumé ça, mais il a baissé ça un peu. Quand ils ont rentré dans la chambre, mon père a fait monter ça un peu.
Et en même temps, la fille a pris ses mains. La fille a ses mains fermées sur son face, quoi. Et sur sa face. Donc, non, il a trop fait monter les choses. Le flamme, il n'a qu'à baisser un peu. On peut la dire, non, c'est pourtant qu'à rester dans l'obscurité, comme ça. Et puis, la fille disait, non, moi, je ne fais pas trop de choses. Et mon père a baissé un peu la chose, la flamme. Et puis, mon père a fait semblant de chercher quelque chose. Elle a dit, non, je cherche quelque chose, je vais faire monter un peu la lumière et puis regarder, trouver ce que je cherche. Et la fille a dit, pas de problème. Mon père a monté un peu la flamme là. Et puis, Tony a commencé à chercher, comme il a fait semblant de chercher quelque chose. Il a vu que les ongles de la fille là est trop long, ses pieds et puis, chose. Ses mains, c'est trop long. Et puis, il a mis vernis rouge. C'est là-bas, mon père a su en même temps que non. La fille là, ce n'est pas une humaine. La fille là, ce n'est pas une humaine. Et à l'époque là, mon père, chose, fumait la cigarette. On passe à la quatrième histoire. Mon père a fait en même temps allumer la cigarette. Mon père a commencé à fumer. La fille a dit, non, tu fumes la cigarette. Mon père a dit, oui, moi je fume la cigarette. Non, moi je ne fais pas les gars qui fument la cigarette. Moi je ne veux pas les gars là. Mon père a dit, non, oh, moi je ne sais pas que toi aussi tu ne veux pas l'odeur des cigarettes. Non, il faut être ça. Mon père a dit, non, je vais faire en même temps. Je vais terminer ce que j'ai déjà commencé par. Je vais terminer. Non, si c'est ça, tu veux fumer la cigarette, moi je vais quitter. Mon père a dit, non, pas de problème, tu veux quitter, non. Allez, je vais t'accompagner. Elle a dit, mon père, que non, tu vas m'accompagner avec ta cigarette là. Non, il faut rester dans la chambre, moi je vais partir. Et mon père disait qu'elle a sorti. Elle a sorti en même temps. Et elle a parti. Quand elle a parti, quand mon père a retourné dans la chambre, lui ne sait pas qu'est-ce qu'il arrive. Ça lui fait comme des vertiges. Vertige après vertige. C'est comme il a froid, tout il ne comprend pas. Et il est sorti en même temps, connu, chose de son vieux, notre grand-père. Il a connu, expliqué, regardez, j'ai amené une fille, des choses. Mon grand-père a dit que vous sortiez à sortir la même nuit. Tu as trouvé une fille, tu l'as mis en même temps à la maison, la même nuit là. Tu crois que c'est tout le monde qui sont des humains ou bien on a fait les choses, les feuilles de basilic ou quoi. Frotter. Et puis mon père a pu le jour là dormir. C'est mon petite histoire. Vous voyez cela, son père dit, toi tu vois une fille, tu la croises aujourd'hui et tu l'amènes le même jour chez toi à la maison. Crois-tu que c'est tout le monde qui est humain ou bien? Crois-tu que tout le monde est humain? Crois-tu que les gens qui sont dehors sont tous des humains? Mes frères et sœurs, ne faites jamais cela. Et aujourd'hui, les démons en mission se baladent dehors. Quand vous sortez, ils savent tout de vous. Ils savent où vous allez et ils se placent devant vous. Si vous êtes une femme, c'est une jolie fille, ils vont venir placer dans vous. Si vous êtes une femme, c'est un homme, ils vont placer devant vous. Et si vous êtes un homme, ils vont placer une jolie fille ou une jeune femme devant vous. Voilà, c'est comme ça, ils font les pièges. Et vous devez être vraiment très, très vigilant à ne pas tomber dedans. Ah, tout le monde n'est pas humain dehors. Nous marchons avec beaucoup de personnes dans la rue, mais tout le monde n'est pas humain. Retenez cela. Bien, elle va nous raconter encore un autre témoignage. C'est parti. C'est l'histoire de mon oncle aussi. Mon oncle était taximan. Il vivait au Ghana avec sa famille. Au Ghana, là-bas, ils sont en ville.
Et sa maman est chez eux au village. Au moment des vacances, les enfants ont décidé d'aller chez leur grand-mère. En cours de la route, quand ils ont au village, en partant au village, tu vas voir les forêts. Vous allez dépasser les forêts avant d'arriver. Au cours de la route, ils ont vu loin, loin, loin. Ils voient, c'est comme il y a quelqu'un. Arrivé, c'est une vieille dame avec sa collée comme ça. Et mon oncle s'est arrêté, il demande la vieille, vous partez où? Vous allez où? La vieille dit, je vais sur le village qui est devant. Mon oncle disait, si tu voyais chose, la vieille là. Mon oncle a ouvert la porte de la voiture et puis la vieille là est rentrée. Quand elle est rentrée, mon oncle disait, il est rentré, il restait avec les enfants derrière. La manière dont chose la vieille là est, ça, tu sais, si il y a chose, comment dire, si quelque chose veut passer ou bien quelque chose qui est mauvais, tu sens des trucs bizarres sur toi, quoi. Mon oncle a commencé à sentir. Mon oncle aussi, il fume la cigarette. Mon oncle a allumé la cigarette. Quand il a allumé la cigarette en même temps, la vieille a commencé à. Non, moi, lui ne veut pas l'odeur des cigarettes. Lui ne veut pas l'odeur des cigarettes. Mon oncle a dit, non, moi, je fume cigarette à rentrer chez ma voiture. Si l'odeur des cigarettes ne te plaît pas, tu peux descendre. La vieille a noyé, lui veut descendre. Mon oncle a. Wow. Non, moi, lui ne veut pas l'odeur des cigarettes. Lui ne veut pas l'odeur des cigarettes. Mon oncle a dit, non, moi, je fume cigarette à rentrer chez ma voiture. Si l'odeur des cigarettes ne te plaît pas, tu peux descendre. La vieille a noyé, lui veut descendre. Mon oncle a ouvert chose, la porte, la vieille descendue dans la voiture. Ils ont continué. C'est mon petite histoire, ça. En troisième histoire, c'est l'histoire de Master, le copain de Master. Bon, le copain de Master, il est chose, il mal, mais il est apprenti. À ce moment-là, il est apprenti. Un jour, arrivé chose à Lomé, quand ils ont arrivé à Lomé, ils sont dans leur station là-bas. Ils sont beaucoup, hein, ils sont nombreux. Et ils ont vu chose, une très belle dame, c'est une dame, très belle. La dame est en train d'appeler quelqu'un, mais quand ils sont, les jeunes sont nombreux là-bas, ils ne savent pas à qui ils appellent. Chacun dit, moi, la dame l'a dit, non, non, non. Elle est très belle, très claire. Et arrivé chose, le copain de ma sœur là, la dame a répondu, oui, c'est toi, j'appelle. Quand le copain de ma sœur là est arrivé, il a demandé juste lui veut 200. Lui veut rentrer chez au marché, acheter quelque chose, mais ça lui manque 200. S'il peut trouver 200 chez lui, ça serait bon. Et le copain de ma chose, ma soeur a dit non. Le gars de ma soeur a dit non, pas de problème. Le gars de ma chose, il a levé 200, le mettre la dame là. Et la dame là a dit, oh, et tu peux prendre mon numéro aussi. Le gars de ma sœur a pris son numéro. Et elle est rentrée au marché. Quand elle est rentrée au marché, en partant, elle l'a appelé encore. Lui dit, moi je m'en vais ça. J'ai acheté ce que j'ai vu au marché, je m'en vais ça. Et il a dit, tu travailles ici? Elle a dit, oui, je suis. Chose apprenti. Là, tu es apprenti, tu vas réussir dans ta vie, tu vas réussir. Tout ce que tu vas réussir dans ta vie. Et la dame est partie. Le garde de ma sœur a dit,
Il est resté. Il est en train de regarder la dame. La dame s'en va, la dame s'en va, la dame s'en va. À un moment donné, ça lui fait comme le soleil a frappé ses yeux. Il veut baisser ses yeux et regarder encore la dame. Il n'a pas trouvé la dame. Et chose, les gars de ma soeur est venu rester. Et à côté d'eux, il y a une chose. Et apparemment, les gens de Niger, là, à côté là-bas, c'est un vieux. Et le vieux l'a appelé. Il lui demandait, tu connais la dame qui t'a appelé tout de suite là? Il a dit non. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Il a dit non. Il m'a juste demandé une chose. 200. Et le vieux a dit, ce n'est pas une humaine. La femme là n'est pas une humaine. Et le gars des choses. Le gars de ma soeur a dit les jours là, lui l'a plus peur. Que ce n'est pas une humaine. Elle a dit oui. Ah, moi je suis là, j'ai vu, ce n'est pas une humaine. Mais ce n'est pas les djinns ou bien les fantômes, non, non. C'est choses. C'est les animaux qui sont. Les animaux qui transforment humains là, c'est ça. Il t'a demandé de ça, non. Le gars de ma soeur a dit oui, non, ça ne fait rien. Et dans le mois prochain, que mon chose, regardez-moi, ma soeur là va passer son examen. Chose, mais le gars de chose, ma soeur a dit, quand ils ont arrivé pour passer l'examen, il dit les jours là, c'est comme quelque chose est rentré. Il ne sait pas comment il a fait. C'est celui qui a sorti premier. Celui qui a sorti premier quand ils ont passé l'examen là. Maintenant, chose. Le gars là est bien. Il est riche maintenant. C'est mon petit histoire ça. Wow, dites-moi ce que vous en pensez. Hein. C'est extraordinaire. Sur ce, nous donnons rendez-vous pour la prochaine 2 secondes. Abonnez-vous, likez, commentez.